Un tout nouveau collège pour les élèves de Saint-Maur-des-Fossés. Vendredi 9 mars, le département inaugurait un établissement scolaire flambant neuf, le nouveau collège Camille Pissarro. C'est un immense honneur de vous accueillir tous ce soir dans le nouveau collège Pissarro. Et pour le chef d'établissement que je suis, c'est une grande fierté que d'avoir depuis 3 ans participé à ce projet de reconstruction et d'en voir enfin l'aboutissement. Un établissement moderne et lumineux, à la norme HQE, haute qualité environnementale, avec une cour de récréation de 2800 m², de large circulation et toutes les salles de classe au même étage pour un collège plus fonctionnel. On a des salles qui sont très agréables, des couloirs qui sont larges et très bien éclairés avec une lumière naturelle, ce qui nous change du précédent établissement. Et surtout la qualité première des salles de classe, c'est l'insonorisation qui est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'on n'entend absolument pas ce qui se passe dans le couloir et ça permet donc de faire cours extrêmement tranquillement et sereinement. Oui, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir des classes grandes. On a plus envie d'apprendre, je pense. Il y a surtout aussi, en SVT, il y a des tables roulantes. Ça nous sert beaucoup aussi pour quand on fait des TP. Dans cet établissement, on a plus envie de travailler. Parce que avec l'environnement et tout, je sais pas, ça donne envie. C'est plus lumineux. Ça nous change complètement de l'ancien. Il y a beaucoup plus de choses que l'ancien. Il y a des nouvelles technologies en techno, c'est beaucoup plus moderne aussi, c'est plus pratique. Première étape d'une future ZAC des facultés, ce nouveau collège se retrouve donc à la pointe du numérique. D'une capacité d'accueil de 700 élèves, il dispose d'une salle polyvalente, d'un espace par an, et pour promouvoir les modes de transport doux, il existe de nombreux arceaux vélos. La préparation des repas sur la demi-pension est également intégralement assurée sur place. Pour ce nouveau collège, le département a engagé 24 millions d'euros pour offrir aux collégiens les meilleures conditions d'études pour leur réussite scolaire. Merci.